tu fais cette tête, hein? Ce que t'as fait, ça a déchiré. Je comprends pas, là. Je suis vachement fier que tu sois dans mon groupe, David. Toi aussi, tu me fais de la lèche. Comment ça? Parce que tomber sur dos, lui tomber sur le coude, c'est réussir. Mais l'effet que t'as mis dedans, il était charmé, mec. Mais ouais, franchement, t'as fait de la vitesse. C'était fort. Les gars, à quelle heure on répète demain? À 14h. Bon allez, j'y vais. J'ai rendez-vous avec une de ces bêtes de meufs, mon gars. Mais toi, t'es un bête de mytho, ouais. T'inquiète, elle assure la mandarine. Ça va être enfin la gym. Deux belles choucroutes, peut-être. Oh là là, merci. Oh, j'adore la choucroute, j'adore. Moi, je vais reprendre les 4 kilos que je viens de perdre. Et toi, naturellement, tu vas pas prendre un gramme, comme d'habitude. T'as bien tout ça? Oui, et toi? De l'art. C'est magnifique, cette saucisse. De toute façon, à quoi ça te sert d'avoir un corps de déesse, ma chérie? Personne n'en profite. Moi, on n'a pas des boudins. Hein. Messieurs, on peut avoir des boudins, s'il vous plaît? Boudin noir va arriver. Merci. Pour reperdre tous ces kilos que je viens de prendre, là, tu vas pas venir avec moi danser la salsa? Ça fait longtemps que j'ai pas dansé la salsa. Mais oui, justement, c'est le moment, hein? Comme ça, on pourra draguer. Tu sais que je peux pas, j'aime pas laisser David tout seul. Il a 18 ans, c'est pas un bébé. Je connais un endroit superbe, il y a des mecs magnifiques. Ça fait combien de temps que t'as pas eu un homme dans ton lit? Depuis que mon mari m'a quitté? Non. Non, mais c'est pas possible, c'est épouvantable. Je parie que tu sais même pas comment on fait. Tu te rappelles plus par quel bout on commence? Allez, viens ce soir. Thank you.
Maman, ta vie. Tu m'as dit que tu faisais dehors à 1h à Paris. Bah, j'étais sorti. Sorti? À 1h du matin. Mais qu'est-ce que tu fais, mon Dieu, pour avoir un fils pareil? Tu peux mettre les portes, s'il te plaît. David, ouvre. Ouvre. Oh. Et en plus, ils vont finir par appeler ta mère. Hein. Mais je t'ai pas dit, ça y est, c'est fait. Ils ont envoyé une lettre. Hier soir, elle était hystérique. Laisse tomber. Bah, tu m'étonnes, toi. C'est normal. Ils vont te virer. Hein. De toute façon, pour moi, le bac cette année, c'est mort. Il n'y a que le défi qui compte. Si on gagne, on va à New York, on rencontre les top américains. Sûr. Mais moi, si j'ai pas mon bac cette année, je vais me retrouver pendu avec les canards laqués. Mais on en a rien à foutre. Faut qu'on bosse, faut qu'on gagne. Tu viens avec moi, tu vas à l'école, qu'est-ce que tu fais là? Putain, ça a failli le faire! Tu pars, j'aurais dû bloquer plus longtemps sur le coude. Bonjour, madame Magoa. Vous êtes oubliée, madame. Merci, merci, merci. Aujourd'hui, j'ai l'intention de vous dévaliser. Qu'avez-vous de nouveau? Montrez-moi, montrez-moi. Les 20 ans de fourrure, ça c'est génial. Oh, oui, ça me plaît. Oh, non. C'est la mode. Ah, bon. Disco. Oui, pour disco. La discothèque, disco. Pour les casinos. Elena, Elena. Hippo, oui. Tu sais ce qu'elle met cette du 36, tu as compris? Même si tu dois changer cette étiquette, il faut que j'appelle David. Oh, original. Ah, oui, oui. Oh, Hippolyte. J'adore. Elle nous va parfaitement. On dirait qu'elle est faite sur mesure. Hippolyte. On peut pas se présenter habillé comme ça. On doit gagner ce défi. En face de nous, il va y avoir des vraies pointures. Et on va se faire afficher. Ouais, mais laisse tomber, on n'a pas de maille. Mais attends, t'inquiète, mec. Moi, j'ai un plan. C'est un dépôt de sap où est-ce qu'il y a toutes les marques qui défoncent. Il n'y a pas de caméra, il n'y a pas d'alarme, il n'y a pas de gardien. Si on s'organise bien, on peut le faire soir direct. Moi, j'y vais, moi. Tous les trucs cons, je les fais. Quoi, toi? On y va tous. Wow. Putain, on est les UCB ou non? Ouais. UCB un pour tous. Tous pour lui. Antoine, t'as passé une bonne journée? Oui, ça va. J'ai une surprise pour le dîner. Tu sais quoi? Les poulets comme on fait sa grand-mère. T'as faim? Oui. Même si tu veux faire une autre fête avec tes copains, on pourrait quand même faire quelque chose ensemble. Dis-moi, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Rien, maman, je veux rien. Mais pourquoi? 18 ans, c'est très important. Ça n'arrive qu'une fois dans la vie. On n'est pas obligé de faire une fête, je sais pas, on peut faire un voyage à Disneyland. Disais. On va voir la tante Maria Concepción à Séville. Oh non, maman. Allez, je t'embrasse. Bonne nuit, à demain. Ça va, la tête est là. Tiens, tiens, regarde. Allez, même toi, t'as pas peur. Toutes les meufs, toutes les meufs, elles kiffent, toutes les meufs, elles kiffent. Ça va déchirer. Allez, ça va déchirer.
Attends, t'as vu l'heure qu'il est? C'est le poulet de ma mère. Bon, vas-y, on y va. Portable. Cagoule. Ok, c'est bon. Maintenant, on y va, mais discret. Je peux pas. Je suis au théâtre. Oui. D'accord. Je te rappellerai. Allez, ciao. C'était ma mère. On devrait passer par cette fenêtre. Et comment tu l'ouvres? Bah jamais au cinéma ou quoi? Tu prends un chiffon, tu l'entoures autour de ton bras. Attention, et tu pètes le carreau. Ah oh. Désolé, laissez. Moi, je vais le faire. Allô? Quoi? Hey, t'es mal à bouge. David? C'est mon fils, sortez-le. C'est ta mère, ça? T'inquiète, tu veux que je te la mette symétrique, ta gueule? C'est pas vrai. Mais non. Allô? Oui? Oui? Hippo? Hippo, c'est pour la boutique à Milan. Ça marche! Ça marche! Tu te rends compte que j'ai dîné ce soir avec les gérants de notre nouvelle boutique à Milan? Ça ou ça? Je vais te laisser un peu d'argent, moi. Tu lui fais quelques courses de surgelés, je sais pas. Et tu laisses tout ça chez la concierge. D'accord? J'ai rentré. Oui, votre aspirine, madame. Des mots. Oui. Oui. Attends ça. Je vais les sacs. Oui. Votre aspirine. Allô, Hélène à Paris, bonjour. Bonjour, monsieur David. Non, madame est partie à Milan. Elle revient après-demain. Elle m'a demandé de vous apporter un petit mou avec quelques surgelés. Vous êtes plutôt viande ou poisson? Allô? Samia! Ouais, comment tu vas, contente? Ça va, toi? Ça va. Alors, comment t'as fait pour t'échapper? Je me suis cachée sous une camionnette pendant des heures, j'ai attendu qu'il n'y ait plus personne et je suis partie. Attends. T'imagines ce que mon père m'aurait fait s'il m'avait trouvé au commissariat? Et vous alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bah nous, on a passé la nuit au poste, t'as vu, mais on est là, c'est de la bombe. Et si on allait changer un peu les idées, là, en mettant un peu le passeur en contribution aux Champs-Élysées? Ça vous dit ou quoi, là, on galère, là? Ouais, moi je suis partant. On se ramasse un peu de cash et on va manger chez moi. Mais vous savez quoi? Ma mère s'est barrée. Alors après les champs, on va au Circle, on passe une bête de soirée et on file tous dormir chez moi. On va tout niquer! Check ça.
connue de la terre entière. Pas pour ses demeures ni sa misère, mais pour sa beauté et envier. Pour le rêve et les chimères qu'elle suscite. Étranger, provinciaux ou banlieusards, tôt ou tard, tout le monde la visite. Par curiosité, comme gage d'amour pour vaincre l'ennui. En bateau, mouche, à pied, taxi, métro ou RER, de jour comme de nuit. Satisfaction garantie. Quoi que tu cherches, tu trouveras à Paname le bonheur, le côté fou, la femme de tes rêves, la sérénité ou tout simplement les sous. Tu t'y es, le meilleur comme le pire. Même si beaucoup préfèrent en sourire que le subir, Paris sera toujours Paris. Et pour bien les gens, Paris rimera toujours avec paradis. Même si c'est vite dit, même si c'est vite dit. Ah, yeah, yeah. Une ville pour 1 million de rêves. Check ça. Où les jours passent rien n'est du pareil en même. Une ville pour 1 million de rêves. Même si les jours passent rien n'est du pareil en même. Je torsico du clodo aux cailles de cité, des beaux quartiers à riquer, t'en rabotiquer sur le Paris gothique. Force est de constater qu'il n'a ni baguette ni béret. Porte aussi bien 501, le costard que le boubou en basin. Le dernier cri du choc des cultures, dans l'indifférence la plus pure, entre opulence et vie à la dure. Tu m'appelles ceci italienne. Tu te rends compte, ouvrir un boutique à Milan, c'était ce que j'ai désiré le plus. Et j'arrive même pas à en profiter parce que mon fils est en train de péter les plombs. Elena Milano, che penso sarà un gran successo. Salute. Thank you.
Catalunya que fan a vivre, noi. Ogni anno un trenino elettrico. Era sta fantasia che ti viene, guarda. Cette cassette qu'on m'a ramené de New York, comment c'est un truc de ouf. Ça. Eh, regardez ça. Vas-y, mets-la. Ah, regardez ça, regardez ça. Pronto, por favor, ¿a qué hora es el primer vol por Parigi? Oui. Chiama un taxi a 6 heures. Et annulez ma chambre pour demain. Grazie.
creer. No me lo puedo creer. Tú a 5 minutos por vivir en eso de tout ça. J'ai descendu boire un café. Et quand je reviens, je ne vais plus voir personne. Tu m'entends? Personne! Je sais pas ce qu'elle a, faut le dire à David tout ça. Rabis-toi. Putain, mais vous l'avez vu là? M'arrêtez de rigoler, elle est pire qu'un flic. Elle a fait sa pompe cramée. Mais moi je peux plus rester ici, je deviens ouf, vous comprenez ou pas? M'arrêtez de rigoler, bande de gamins, il faut que quelqu'un m'héberge. Si tu veux, tu peux venir chez moi. Voilà, je prends deux ou trois trucs et on se tient. Bande de gamins. Birgit, je suis à Paris. Il m'est arrivé une chose horrible avec David, il faut que tu me rappelles. S'il te plaît, rappelle-moi tout de suite. Non mais c'est vrai mec, quitter la maille pour la racaille, tu pars en vrille. Comment tu vas te démerder pour la thune? Mais qu'est-ce que tu crois? Je vivrai de la danse, j'irai dans les castings. Tu crois qu'ils vont te prendre un casting comme ça? Arrête. Mais merde, je comprends pas, vous voulez mettre la pression quoi, oh. David. Attends, faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Moi, c'est gagner le défi, aller à New York, hein, rien d'autre. Et on n'est pas prêt, ça me fout la rage. Je veux devenir une star, moi, une bête de star. Pff, et je te jure que je vais y arriver. Comme ça, ma mère, elle sera obligée de savoir que j'existe. Ouais, ouais, c'est ce que tu dis. Vers la télé, sur les affiches, partout, quoi, le truc de ouf. Mais vite, regarde ce que j'ai trouvé dans la chambre de David. Quoi, quoi? Kamel Ikachamen. Oh, quel nom! 7 cité Gagarine, escalier B, avenue Maurice Thorez, c'est en banlieue, ça. Ça doit être un copain à lui, il doit savoir où les trouver, non? Ça fait 3 jours qu'il n'est pas rentré. Bon, il faut que j'y aille. Tu me surveilles, Polité, le marasin? Mais attends, je viens avec toi. Et non, je préfère que tu restes à la boutique. C'est la musique, tu sais. Das ist Charlie. Go, go, das ist Charlie. Ouais, je ne suis pas le comme les transports. Je te mènerai toujours à bon port. Et si tu fermes les yeux, tu entendras mes yeux qui t'amènent dans les cieux. La vie nous appartient parce que tu le vaux bien. Ouais. Ici? Ah oui, c'est pas là, hein? On va arriver dans quelques secondes, hein? Bonjour madame, je cherche Kamel. Kamel, mon fils. Rentrez madame, rentrez. Lui n'est pas là, mais il va la rentrer. Rentre. Assieds-toi. Assieds-toi et attends madame, moi je vais faire le café. Yes, Sabrina, Nouara, Yannodo, Rochelet Bé. Toma Khouaïchko. Je vais aller faire le café. Vas-y, c'était rien, chez moi ça aurait été pire. Eh les mecs, putain, j'ai créé un son.
Un truc de ouf. Un truc de malade, un truc de ninja. Vous voulez écouter ou pas? Vas-y, au revoir. Oh là là, c'est quoi ce truc de dingue? Oh là là. Allez, on y va, allez, on y va. Allez, les gars. À qui Mathieu en fils? Maintenant. Oui. Oh. C'est un tueur. Qu'il vaut mieux que je parte. Tu restes pas en quoi? Non, non. Vous direz à Camille que je le passerai demain matin? Comme tu veux, madame. Merci. Alors, ma cocotte. Portable est à plat. Est-ce que tu pourrais appeler un taxi de chez vous? Un taxi? La nuit? Un taxi la nuit? Il n'y en a pas à rendre. Qu'est-ce que tu fous? Malade ou quoi? On dort. Ça y est, t'es réveillée? Tiens, Kamel est rentré. Kamel? Oui, Kamel. Je peux les voir tout de suite? Oui, viens. Kamel? Hein, Kamel? Viens, madame, viens. Viens. Hey, hein? Je cherche David, mon fils. Vous le connaissez? Je le connais pas, ce David, moi. Et ça? Ça vous dit quelque chose? Bah, c'est l'UCB. De quoi? Vous avez qu'à aller voir au Mobilo. C'est une vieille fabrique de meubles vers la gare. Il s'y entraîne tous les soirs. Je t'ai ramené un cadeau de Milan. Qu'est-ce que tu veux? M'acheter qu'un cadeau, c'est ça? Tu peux pas me laisser travailler tranquille? Pourquoi tu me parles comme ça?
Je suis ta mère, je suis quand même responsable. Arrête de te prendre la tête avec ça. Mon bébé. Mon bébé. Mais regarde, t'es en train de m'afficher devant tous mes copains. J'ai 18 ans, mais t'es ridicule. Ridicule? Tu peux me dire ce qu'il y a de ridicule à ce qu'une mère s'inquiète pour son fils, hein? Mais fous-moi la paix! Je suis assez grand pour faire ce que je veux et quand je veux. C'est ici ma famille, c'est eux, mes amis! Milou, s'il te plaît, mets la musique, on est reparti. 5, 6, 7, 8. La musique. Problème, madame, on peut vous aider? Mais vas-y, Ali. Qu'est-ce que tu fais? Bonne zone. Mais vas-y, redonne-lui son sac. Arrête, gars. Et carte bleue, carte bleue. Non, mais toi, t'es trop un gamin, toi. Vous avez pas l'air dans votre assiette. Vous êtes pas d'ici non plus. Merci. Vous voulez qu'on vous accompagne? Non, non. Je suis d'ici. Seulement, ça fait moins de 10 ans que je suis pas venue et tout ça est beaucoup, beaucoup. C'est beaucoup changé, hein. Mais je suis née là, moi. Ouais, ouais, ouais. Elle est née ici, là. N'importe quoi. Bon, lui, c'est Ali. Momo. Kevin, Omar, Shinji, Manu, et moi c'est Monzon. Je m'appelle Elena. En tout cas, Elena, je crois que vaut mieux que je vous accompagne. Non, 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 ça ira, merci. Merci. Mais attendez, parce que c'est pas prudent pour une femme comme vous de se balader toute seule par ici, hein? Les gars, non, mais non, qu'est-ce que tu fais, toi? La maquette. Non, sérieux, c'est pas prudent pour une femme comme vous de se promener seule par ici. Il faut vraiment que j'aille avec vous. Ou si vous voulez, vous pouvez m'accompagner jusqu'au périphérique. Ben voilà, je vous accompagne. Eh bien, les gars, faut que j'y aille, alors bon, mais... Hé, Monzon. Monzon, le plastique. Ah, fais attention, hein. Le plastique, c'est pas Monzon. Là, vous tournez, là. Attendez, bougez pas. Qu'est-ce que vous faites? Non, mais je vais vous mettre la ceinture, c'est rien, attendez. Je vais le faire toute seule. Voilà, regardez. C'est qui ces jeunes? C'est ma bande. Votre bande? Mais je suis leur DJ. DJ, c'est quoi ça? Je m'occupe de la musique. Je mixe, quoi. Ah oui, j'ai vu ça à la télé. À la télé. En fait, vous les connaissez, ceux qui s'entraînent là au mobilo, là où j'étais? Au mobile collé UCB. Un peu que je les connais. C'est contre eux qu'on se tape à chaque fois. Ah oui. Bientôt, il va y avoir des qualifications pour les World Battle et ça risque d'être eux ou nous. Et ça se passe quand, alors? Semaine prochaine. Semaine prochaine. C'est bien. Mais m'aimez-vous, faites quoi dans la vie? J'ai une boutique de vêtements. Ah, c'est pour ça. Voilà, là vous tournez là. Voilà, c'est bon.
Vous voulez pas venir nous voir jouer ce soir? On sera tous au cercueil à brûler les platines, ça va être mortel. Il y aura ma bande, ceux de Porte de Vanves, les Urban Cyberbreakers... Les OCV? Tous les danseurs seront là? Tout le monde sera là, c'est mercredi, quoi. Il faut être prêt à quelle heure? Écoute, tu m'appelles sur mon portable, je te laisse ce numéro, d'accord? Ouais. Yes. Ah, tu peux pas me laisser là, s'il te plaît, c'est le bar d'un pote à moi. Là, juste là. Ouais, sérieux, David. Si on avait tous les mêmes sables, ce serait de la bombe. J'ai vu David, tu sais où il est? Il est revenu à la maison, ça y raconte. Non, il veut rien entendre. Et tu sais quoi? Il y a un mec de l'autre groupe qui me drague. Quoi? Raconte-moi tout. Mais non, c'est pas ça que tu crois. C'est juste un plan pour me rapprocher de David. Tu sais quoi? J'ai décidé de le faire croire. Et il faut que je trouve surtout des trucs jeunes. Pourquoi des fringues jeunes? Parce que ce soir... Il est DJ dans sa soirée hip-hop. Non, hip-hop, c'est une nouvelle danse. Voilà, hip-hop. Et il m'a invité ce soir, alors je vais être comme eux, jeune. Il n'y a pas de problème, je connais toutes les boutiques de fringues jeunes, c'est là que je m'habille. Pas comment il s'appelle? Viens, bon, j'arrête. Voilà. Ouais, je viens, on voit les mecs. Ça se passe? Alors, on y va? Ouais, on y va. Viens ou bien? Come.
faut qu'il s'arrête. David, reste pas tout seul. Ça va? Oui. Tu veux pas qu'on aille boire un verre? Et voilà. Voilà. Voilà quoi? Je suis arrivée. Merci pour m'avoir accompagnée. Bah, tu vas pas nous offrir un verre? Nous? Ouais, nous. Non. Moi, j'ai pas fait les courses, j'ai rien à la maison. Allez, t'as bien du coca, un café, quelque chose? Allez. On va voir ce que j'ai trouvé à voir. Laisse ton manteau là. Pur appart? Ouais, je vais à la cuisine. Attends. Attends. Ouais. Quoi? Et t'aimes le champagne? Ouais, c'est cool, ouais, le champagne. Le champagne. Moi, j'adore le champagne. En fait, tu sais quoi? Je suis... Je sais pas qu'est-ce que je suis. Attends, je reviens. Contrôle-toi. Contrôle. Je suis même pas sommée, c'est bizarre. Ça te plaît? Mon fils trouve ça ringard. Ringard? Arrête. Merci. Des pas incroyables. C'est bon pour la danse, tu vois, ouais. C'est bon pour le groupe. Ce qui est bon pour la danse, c'est bon pour le groupe, tu vois. Moi, tu vois, tous ces vieux trucs, ça me donne des idées de musique incroyables, en fait. C'est que j'ai signé des règles. Attends. J'ai aussi les mademoiselles de Cherbourg. De quoi boire autre chose? Tu sais faire ça? Oui, j'étais danseuse avant. Ah bon? Oui. Regarde, j'ai toutes les comédies musicales là-bas. Ça me fait un effet incroyable. Tu ne veux pas? J'ai d'autres comédies musicales si tu veux voir. J'ai Singing in the Rain. Je t'en prie, il vaut mieux que tu t'en ailles maintenant. S'il te plaît. Mais attends! Hey! Au revoir. Mais c'est même pas à moi ça. Au revoir. Quoi? Elena, si tu viens t'entraîner avec nous, on a des chances de le gagner, le défi. Alors demain, tu viens t'entraîner avec nous. Elena, demain. D'accord. C'est promis, mais maintenant, tu t'en ailles. Au revoir. Du matin, Jean Gap, des bottes Gucci, un truc shocking pink en plus, mais enfin bon. Tu crois? On n'est jamais venu, enfin bon, pareil, on sait pas comment il faut s'habiller. Oh, regarde. Oh,
Oh non, c'est trop. Mais t'es sûr que c'est là? Mais oui, c'est ça qu'ils m'ont dit. Bon, à nous deux. Salut tout le monde. Monsieur n'est pas là. Bonjour. Birgit, je suis styliste. J'adore votre look. Putain, c'est la folle d'hier ou quoi? En fait, c'est quoi vos trucs là? Vous venez ici pour piquer nos pas, c'est ça hein? Je te dis, les bourges, le hip-hop, ça les excite. T'avais dit qu'on aurait dû s'habiller sport. Ici, y a pas de gigolo. Y a pas de cam, y a pas de cocaïne, y a rien du tout. Bon, allez, on s'en va. Allez, allez, arrache-toi avec ton chapeau en moquette là. Allez, allez, bah. Mais ouais, casse-toi. Allez, je bouge, bouge. Salut. C'était barché de là. C'est un délire de Monzon encore. Donnez-moi. Elle voulait nous styliser. Oh Monzon. Comment tu fais faire? Ça va bien. Ça se passe. Hey, j'ai une surprise pour vous. Quoi? Comment tu vas là? Elena, la meuf que j'ai raccompagnée hier soir. Elle connaît des pas de danse incroyables. Je dis de passer pour vous les montrer. Eh, je crois qu'on va attendre longtemps. Parce que sont déjà repartis. Elle vient juste de partir là avec une Barbie poufiasse qui se prétendait styliste. Genre Sarah Baron. Non mais vous êtes trop des gamins. Elena. 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 Bonjour. Pourquoi tu m'as pas attendu là-bas? Parce que c'était pas mon idée. Voilà. Non, très mauvaise idée. Bien sûr, c'était une bonne idée. Mais non, t'es sa meilleure raison. On est trop vieille. Ah, une bonne idée. On est moche. Mais t'es parfaite. Non mais il n'accepte pas facilement les nouvelles têtes, mais tu verras, ça se passera bien, ça marchera comme sur des roulettes. Hein? Faut qu'on y aille, là. Moi j'ai rendez-vous chez l'esthéticienne. Ma chérie, tu te rappelles, monsieur? Attention à vous, princesse. Allumé, celui-là. Je te l'avais dit. C'est bien une boutique de fringues que t'as dit qu'elle avait, ta mère. Ouais, mais ça a rien à voir. Hein. Arrête. Des costards comme celui-là qu'elle a ramené de Milan. Eh hey, mais vous êtes dingue, moi je demande rien à ma mère. Ça serait le top quand même. Si ma mère elle avait une boutique, j'hésiterais pas une seconde. Mais on s'en fout, on verra. Pour l'instant, le plus important, c'est d'avoir une chorégraphie en béton. Mais je comprends pas, vous voulez partir à New York ou pas? UCB un pour tous. Tout est pourri. Allez, venez, on va répéter. Avec deux steps. Qu'est-ce que tu veux qu'on avance? Franchement, c'est des variantes. Mais quelle variante? T'as deux variantes. Ok, t'as raison. Le grand ambassadeur. Ambassadeur. Mais tu verras, on n'avancera pas. On fait tout le temps la même chose. C'est relou. Vous voulez pas le gagner, ce défi? Mais ouais, on veut le gagner. Alors, vous venez avec moi chez Léna, putain. Non, mais sérieux, elle a des films qui tuent. Ok? Elle connaît des pas, mais incroyables. Ouais, faites-moi confiance, putain. Mais elle a des films qui déchirent. Les Fred Astaire, Gene Kelly, les Nicolas Brothers, tout, mais là, tout. Tu verras les films, mais tu comprends pas, putain. Renoir. Les Nicolas. Bien sûr, les Nicolas Brothers, mais des trucs, mais qui tue, quoi. Des cassettes, incroyables. Les Nicolas. Hein? Ça. Les Nicolas. Exactement, les packs. Non, mais ça, c'est ça. Ça. Ça, les Nicolas. Oh, vous êtes où? C'est un truc de ouf. Tu y connais. Ok, d'accord. Sur la vie de ma mère, c'est un truc de ouf. Les Nicolas, c'est de la balle atomique. Je te jure, tout ce qu'on fait, c'est rien. Voilà. C'est vrai ce qu'il dit le refrain. On y va, vous êtes des ouf ou quoi? Est-ce qu'il y a de la bouffe? Bonne question, il y a de la bouffe. Mais les mecs, vous êtes relous quoi, il y a un énorme frigidaire, ok? Ça va? La tête de moi, viens, on y va. Allez, la tête de moi, on y va. Allez, Nicolas, c'est le bizarre. Non, non, sérieux, les vidéos que vous montrez là. On va voir les vidéos. Sur les comédies musicales.
regarde, ok? Regarde les variantes, les variantes, les variantes. Oh là là! Mais je vous l'avais dit, les gars, les Nicolas, c'est les meilleurs, ces mecs. Les Nicolas Brothers, c'est de la bombe. Non, mais c'est des tueurs, ces mecs-là. Regarde. Ça vous dirait pas mixer ça avec vos steps? Mais ouais, c'est pas trop fort, franchement. Mais ça va être trop dur à apprendre. Mais non, regardez. C'est facile. Chérie, c'est terrible ce qui t'arrive. Mais non, ça tombe bien. Il était temps que je me remette à la danse. Ah bon? Et tu vas faire quoi? Je m'entraîne pour les grands défis. Un. Oh, t'en comptes. Un. Deux. Compte. Trois. Quatre. Onze. Un, deux, trois. Quatre. Un. Compte. Un. Un. Deux. Trois. 4, 1, 1. Tu sais quoi? Je change de vie. Ah, et moi, je change de mec. Ça va? Samia! Ça va? Ouais. Mon père, il est devenu fou. Il m'a interdit de sortir. Qu'est-ce que tu vas faire? Y a rien à faire. Mais t'es dingue, faut que tu t'échappes. On a trop besoin de toi pour le défi. Mais qu'est-ce qu'on fait? Rien, je t'ai dit. Comment ça, rien? Je peux pas comprendre. Hey, mais tu comprends pas ou quoi? Nous, on n'a pas un siècle avant les éliminatoires, écoute-moi. Il nous reste deux jours. Oui, mais j'ai bien peur que vous soyez obligé de le faire sans moi. Mais je te le dis tout de suite, c'est mort, laisse tomber. Je t'écoute même pas. Écoute, David, faut que tu comprennes. Faut que j'y aille. Attends une minute, Samia. Samia! Oh,
C'est bon, rentrez. Oh, oh là là. Jamais pour la coupole, mais... Hé, les filles, j'ai tout ça. Allez, depuis ce chacun, on s'arrache. Ah ouais, ah ouais. Chez vous. Et on s'arrache. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1. Et donc Birgit, t'es tombée dans le hip-hop là. C'est la faute à ma copine. Hein. Si Elena m'avait pas amenée ici, j'aurais jamais su ce que c'était. J'aurais continué à danser sur Stevie Wonder. C'est des mains les filles. Faut qu'on gagne. J'avais pas les cheveux si fragiles. Mieux que Bonnie M. Hein. J'étais sûr que ça marche. Qu'est-ce qu'il y a encore? Non, madame, c'est pas moi. Qu'est-ce que tu n'as pas fait? On nous a tout volé. Quoi? Regardez la moitié des modèles. Presque tous les costumes Armani. La robe de Galliano, les chaussures, les jerseys, une vingtaine de chemises. J'ai pas encore tout checké. Et l'alarme? Bah, c'est bizarre, elle était branchée. Tout était fermé comme d'habitude, mais... J'appelle la police. Non, viens m'aider. Il faut casser la porte pour la sourde. Aide-moi, non? Oh, il n'y a pas moyen qu'on se présente au défi sans toi. Tu sais ça? Ouais, mais faut trouver un moyen. Mais si, il y aura un moyen. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde, en plus, tu as ramené un truc là que j'ai piqué à la boutique de ma mère à David. Oh, regarde-moi ça comme ça défonce. Vous avez ramené ça pour moi? Oui, pour toi. Regarde ce que c'est, s'il te plaît. Je vais pas pouvoir mettre ça, moi. Mais tu vas voir la veste du battle maintenant. Waouh. On va voir. Qu'est-ce que t'en penses? Mais c'est trop beau. Papa est sorti. Eh bien, c'est cool. On va aller répéter sur la terrasse. Tiens, alors tiens ça. Tiens, ça. Ouais. Ouais. Tiens, voilà.
fait que penser à toi. Moi aussi, j'arrive plus à penser à autre chose. En plus, Zinedine nous a dit que tu connaissais tous les nouveaux pas, c'est vrai? C'est ça. Mais oui, je les connais par cœur, mais le seul problème, ça reste d'y aller. Tu vas venir? Ouais. Je suis contente de voir que tu te dégonfles pas. Écoute, je pourrais venir seulement tard, parce qu'il faudra que j'attende qu'il s'endorme. T'es sûre que tu pourras t'échapper? Je crois, de toutes les façons. Une fois qu'il dort, y'a rien qui le réveille. Mais écoute, demain, on viendra t'attendre, ok? Mais non, c'est pas la peine. Si, c'est mieux qu'on y aille tous ensemble. Mais non, c'est pas la peine que vous perdiez votre temps. Allez-y de votre côté, et puis je vous retrouverai. Mais non, on a un groupe, on danse ensemble, on bouge ensemble, ok? Ok. Mon petit cœur. Faut que je remonte. Viens, je remonte avec toi.
avec ton chapeau. Ok, tu mets celui-là. Ah putain, on se croirait dans un défilé de mode. Bon alors après. Abdou. Ah oui, tu enlèves celui-là, tu mets ça à la place. Hein? Super. J'adore. Pas trop de style. Omar. Omar, il faut que t'enlèves ton t-shirt. Oh non, oui, non, 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 non. Mais c'est mon t-shirt, ça. Il me donne les bonnes ondes. Mais si c'est moi la styliste, c'est moi qui décide. Essaye ça, tu vas avoir les bonnes ondes. Ouais, c'est bon, t'as mis ce t-shirt, il est génial. Faudra mettre du maquillage. Moi, qu'est-ce que je vais mettre? Aïe, aïe, aïe. Alors, toi, il me faudrait un chapeau très grand. Bon, là, il me faut un grand chapeau. Voilà, un petit gagne. Et dépêchez-vous, on va être en retard. Tiens, joli. Ah, c'est bon, on devrait y aller. Non, bouge pas d'ici. On est le UCB, on est un groupe, alors on attend. Yo, yo, ce soir, le soir du grand, grand défi. Qui va nous représenter à New York City? C'est les... Oh, oh, hey, le UCB, on va gagner ce battle, quoi. Ouais. Bienvenue ce soir dans la place pour le Big Big Défi. Qui va nous représenter à New York City pour le Battle of the World Supremacy? Hein? Hein? Est-ce que ce sera les LD ou les UCB? Mais qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je vois? Allez-y, faites du bruit. DJ Monzon. DJ Monzon on the one and two. DJ Monzon, Monzon on the one and two. DJ Monzon on the one and two. DJ Monzon, DJ Monzon. Le jury. J'ai des alus, c'est pas possible. Même ici, elle est là. Hey, mais arrête de stresser, mec, on est en finale, ok? Je vais pas pouvoir danser si elle me regarde, je vous le dis. Elle pourra au moins me laisser tranquille aujourd'hui, merde. Déconne pas, concentre-toi. J'aimerais bien t'y voir, tiens, si c'était la tienne demain. Faut pas la calculer, faut pas se permettre de foirer le défi à cause de ça. Pense à nous, là. Et le moment tant attendu arrive, les UCB.
juste pour vous. VLD, miroir de la harpe. Ça s'énerve.
We'll be right back.